Les filles, je vous explique. Ok, mon mari m'a tout écrit sur le bras. Donc, mon mari a pris 12 ans. Ok, 12 ans égale 144 mois. Pour les 144 mois, il a pris 25 mois de RP. C'est automatique. Ok, donc 144 moins 25, il lui reste 119 mois à faire. 119 mois, ça fait 10 ans. D'accord? Sur ces 10 ans, il a déjà fait 3 ans. Donc, les filles, je vous disais, il a déjà fait 3 ans. D'accord? Sur 3 ans, enfin 3 ans égale 36 mois. Ok? Donc, 119 mois moins 36 mois, ça lui fait qu'il lui reste 83 mois à faire. Sur ces 83 mois, par année, on lui enlève 3 mois. Donc, ce qui fait qu'on lui enlève 9 mois de RPS. Donc, c'est remise de peine supplémentaire. D'accord? C'est-à-dire quand tu travailles, etc. Ce qui fait qu'il reste à mon mari 74 mois, les filles. Donc, il lui reste 6 ans à faire. Sur ces 6 ans, au bout de 3 ans, tu peux commencer à demander, par exemple, une permission ou un bracelet. Tu peux demander, donc c'est pas dit qu'il te le donne, mais tu peux déjà commencer, enfin tu peux te demander. Ensuite, il m'a écrit, là c'est tout mon mari qui m'a écrit. Quand t'es en CD, t'es permissionnable au un tiers de ta peine. Donc mon mari, par exemple, quand il arrive, eh ben au bout de 3 ans, il est permissionnable, ok? En maison d'arrêt, les filles, c'est à mi-peine. Donc en maison d'arrêt, c'est plus chiant quand t'as une longue peine parce que t'es permissionnable qu'à la moitié de ta peine. Tandis que quand t'es en CD, c'est à un tiers de ta peine. Donc c'est plus rapide pour un peu sortir, quoi. Voilà, donc le calcul est là. C'est mon mari qui l'a écrit. Donc, c'est vrai que je me suis mal exprimée. Bon, 24 mois, ça c'était une erreur, je me suis mal exprimée. Je sais très bien que 24 mois, c'est 2 ans et 36, c'est 3 ans. Voilà. Mais à la finalité, mon mari, normalement, peut demander une sortie au bout de 3 ans. Voilà. Que ce soit des week-ends ou peut-être un bracelet ou voilà, plein de choses. Donc, vous avez le calcul et c'est mon mari qui l'a fait parce que moi, je lui ai expliqué, que je vous avais dit, mais hier ils m'ont dit, il y en a, ils m'ont pris pour t'es débile. Ils ont dit non, 24 mois, c'est pas 3 ans. Les calculs sont pas bons, Kevin. Je lui ai dit, mais en fait, tellement il m'a embrouillé à me dire, nana, je comprends pas pourquoi 12 et pourquoi 4 et pourquoi 6 et pourquoi ça. Donc j'ai essayé de vous expliquer, en fait, je me suis auto-embrouillée et c'est vrai que moi j'ai pas les bons mots justes et tout parce que vous avez vu tout ce calcul là. Moi, le premier jour où mon mari il est rentré en prison, j'ai rien compris. J'ai rien compris, même maintenant. Là, c'est lui qui m'a tout écrit parce que j'y comprends rien. Les RP, les remises de peine automatiques, les RPS, remises de peine supplémentaires. Bon, bref, il y a une fille aussi d'ailleurs qui a dit une connerie. Qui a dit que depuis janvier, il n'y avait plus de RP, de remise de peine ou je sais pas quoi. Mon mari, là, il vient de me dire que s'il y en a, en fait, c'est au bout d'un... Quand tu fais un an, mais quand c'est des longues peines. Quand tu fais un an, on t'enlève 6 mois. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est pareil que ce que mon mari là. Et vu que mon mari, il a eu sa peine en novembre. Donc du coup, c'est effectif en novembre. C'est pas parce que c'est en janvier que mon mari, du coup, il a plus les RP. Le truc le nouveau truc là, c'est pour les gens qui rentrent à partir de janvier, 1er janvier 2023. Donc tous ceux qui rentrent après, ils ont ce nouveau système. Mais tous ceux qui sont rentrés avant la nouvelle loi, le nouveau truc là, eh ben c'est encore l'ancienne règle. Donc celle-ci, donc mon mari fait partie de celle-ci. Voilà, donc le calcul est là et ça c'est 100% juste. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous avez rien compris, tant pis. Voilà les filles. Et donc au moins le calcul est là. J'espère que vous avez compris, pour ceux qui n'ont pas compris. Et voilà quoi. Ah mais c'est une blague, il y a toujours quelque chose. Protéines, truc, mais putain, mais vous croyez que je donne quoi à mes enfants, des cailloux ou quoi? Oh putain, lâchez-moi la grappe, non? Coucou toi! Ah,
Non mais là tu m'as tué toi Caro, tu m'as tué, tu m'as dit ils sont plus investis dans la peine de prison de ton mari que dans leur propre vie. Non mais j'adore ton message. Ouais mon mari franchement, je lui avais dit au téléphone et bon en fait déjà je lui ai expliqué que j'avais dit 24 mois, 3 ans et tout. Mais c'est vrai que moi je me suis mal exprimée aussi. En fait je sais ce calcul là, mais vous l'expliquez, je vous jure que j'ai mis du longtemps à comprendre ce calcul. Mais voilà, donc du coup, ce matin, il m'a écrit sur la main. Il m'a dit comme ça, tu leur expliqueras bien. Et au moins, ils comprendront. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de termes. RPS, RP, 3 ans. Enfin, c'est 4 ans. Mais voilà, au bout de 3 ans, on peut demander des choses. Quoi. Et voilà, merci à Christophe pour ses explications. Franchement, j'aurais été incapable de vous expliquer ça. J'aurais été incapable. C'est trop compliqué, les filles, on est d'accord, mais pour moi, c'était du chinois. Je comprends plus en année. Et là-bas, ça tout se calcule quasiment en mois. Une dernière, je crois que c'était. Mais il va bien, les filles. Voilà. Ouais, c'est ça, il a écrit son avenir sur mon bras. Je vous ai déjà expliqué, les filles, j'aurais pu, parce que je crois que c'est à partir du 5e... parloir que tu fais que tu peux faire une demande du VF, mais là où il est mon mari, il n'y a pas du VF. Voilà. Donc voilà, après ça peut prendre des années, hein. J'espère qu'il pourrait être transféré. Je vous jure, il m'a dit t'as un papier? Je dis, ben non, j'ai pas de papier sur moi. Il m'a dit attends, je vais t'expliquer. Et du coup il m'a écrit sur mon boîtier parce que en fait j'avais pas de papier sur moi ce matin. Et voilà, il m'a dit comme ça tu leur expliques bien et ils comprennent. Que je lui dis, il y en a, ils disent, ouais, si on m'écoute à moi, il sort demain. Je vous ai jamais dit qu'il allait sortir demain, je vous ai dit dans 4 ans. C'est pas assez pour vous. En disant qu'en gros, si je raconte des conneries. Non, mais alors, lui ou elle, il a toujours pas compris.